un contrôle coordonné entre différents services, donc les services de la gendarmerie d'abord, les services des affaires maritimes et ceux de la direction départementale, la cohésion sociale, protection des populations, qui sont chargés de vérifier si les activités sportives, les activités nautiques ici, se déroulent de manière régulière. Donc nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération interministérielle vacances. L'objectif, c'est de renforcer ces contrôles, d'avoir des contrôles coordonnés pour donc s'assurer que les conditions de sécurité sont totalement respectées, cela afin de sécuriser bien sûr les nombreux usagers, enfin les touristes, il n'y a pas que les touristes qui pratiquent ces sports. Et puis donc aussi, c'est une occasion de mettre en valeur ceux qui travaillent bien et qui constituent quand même l'immense majorité des différents acteurs qui pratiquent, enfin qui organisent des activités, je dirais, nautiques. Des contrôles, il y en a tous les jours, une activité de contrôle, mais des contrôles coordonnés, il y en a deux par semaine à peu près, donc dans différents domaines. Ici, on est dans des loisirs nautiques. Il y a des contrôles aussi dans des établissements qui accueillent des mineurs, des colonies. Il y a des contrôles de restaurants. Donc là, c'est avec. Il s'agit de vérifier si les repas sont servis correctement, si bien sûr les aliments sont conservés correctement, s'il n'y a pas de travail illégal. Voilà, donc ces contrôles sont organisés de manière très, très régulière tout au long de l'été. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer que les conditions de sécurité soient vraiment respectées et que les conditions de concurrence, enfin, la régularité qu'on appelle, ce qu'on appelle la régularité économique des activités soit assurée. On utilise les moyens nautiques à la fois de la gendarmerie et des affaires maritimes, mais comme je dis, vous savez, tout au long de la journée, ils sont pendant toute la saison, même au-delà de la saison, ils sont sur l'eau et ils contrôlent tout ce qui doit être contrôlé. Présentez-nous votre structure et quel rôle a-t-elle à jouer dans l'événement qui se déroule aujourd'hui ? Donc la direction de la cohésion et de la protection des populations a un rôle pivot dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération interministérielle vacances, qui sous l'autorité du préfet de département coordonne les contrôles qui ont lieu sur trois mois de l'année, donc du 15 juin au 15 septembre. Et ces contrôles visent non pas à sanctionner, mais à s'assurer de la sécurité des consommateurs et de la sincérité des prestations qui leur sont offertes. Nous travaillons avec différentes administrations, donc d'où le mot interministériel, puisque par exemple aujourd'hui nous allons intervenir avec nos collègues de la gendarmerie et nous intervenons également avec nos collègues des affaires maritimes de la direction des territoires et de la mer. Et donc nous coordonnons nos contrôles parce que chacun dans notre domaine de compétence, nous sommes habilités à faire des contrôles sur certaines thématiques, mais en les conjuguant, ça évite également de déranger à plusieurs reprises un opérateur qui pourrait se retrouver contrôlé 4-5 fois de suite par des administrations différentes. Donc l'idée, c'est de permettre aux opérateurs de travailler pendant la saison qui est la plus importante pour eux. Donc nous essayons de les déranger le moins possible et en parallèle, nous assurons donc la sécurité du consommateur et la sincérité des prestations qui leur sont offertes. Donc en général, autour du 10-15 juin, lorsque nous avons les directives nationales qui donnent les grandes orientations sur les contrôles que nous devons faire, donc cette année, il y a trois grandes thématiques, c'est l'hébergement, donc plutôt structure légère type camping, ce sont toutes les prestations de bien-être, bien sûr la restauration et les activités nautiques, qui sont quand même source de. Voilà, qui exposent plus particulièrement les consommateurs par rapport aux dangers que ça peut représenter si elles sont mal encadrées, par exemple. Donc voilà, sur cette base-là, on réunit l'ensemble des services et on se met d'accord sur des opérations conjointes en fonction donc de ces orientations et en fonction de nos disponibilités respectives. Tous les contrôles, nous ne pouvons pas les faire en conjoint parce que chacun, nous avons des objectifs nationaux, mais on essaye de faire les plus emblématiques ensemble.